Vous êtes témoin de la promesse. Hein? Oui. Si je tiens pas à ma promesse, ça va être ouh. Non, je vais tenir à ma promesse. Ça, on va tenir à la promesse. Je vais peut-être ordonner à la fin. C'est bon? Avec les couleurs, justement. Exactement. Vous allez voir. Déjà, le but est de faire de tout. Pas de manger, pas de sel. Hein. Juste un tout petit assiette avec les légumes. Ah oui, C'est bon, Laïna? Non?
Alors, qu'est-ce que vous préférez dans tout ça? Le jus d'embourg, le jus. Le jus, c'est bon. Ouais, hein, c'est bien, ça, c'est vraiment une bonne fin. Je pense que pour les enfants, aiment bien déjà. Et puis, pour manger plein de fruits, là, rapidement. Et puis un filet de sirop d'érable et un peu de yogourt. Mais juste un tout petit peu de yogourt. Moi, je vais changer ma bande. Ce qui est drôle, c'est que pendant la guerre, en France,
Le seul légume que prenaient pas les Allemands, c'était les topinambours, parce que ça ressemblait à rien. Et donc ma grand-mère, qui a vécu la dernière guerre, je voulais pas lui parler de topinambours. Et quand je lui ai dit, oh ben moi j'en mange, j'en veux pas dire, elle voulait quoi? Des vols, mais même les Allemands, ils n'en voulaient pas, et toi tu manges. J'ai dit, oui, je paye. On nourrissait les cochons avec le topinambour. Mais c'est ça, parce que aussi, le topinambour, le rutabaga, c'était des légumes qui étaient vraiment consommés pendant la guerre. Fait que ça a été toujours associé à la pauvreté. Fait que les gens, à un moment, la guerre était finie, ils ont tout abandonné parce que pour eux, ils voulaient oublier la période de la famine, la période de la guerre, etc. Mais la Zaka, c'était pas à ce moment-là? Elle n'était pas encore découverte à grande envergure. La place, oui, c'était après, exactement. C'est comme le pain noir et le pain blanc. Les gens chics ne mangeaient que du pain blanc parce que ça faisait chic. Les autres, le pain noir. Il y a même une expression qui dit qu'il est en train de manger son pain noir. Oui, mais en même temps, ces gens-là, c'est un meilleur santé. Ben oui, bien sûr. Les rois étaient anémiques, qui étaient malades, ouais, et plus que le peuple, qui mangeait son pain noir, qui mangeait de la mélasse, mais pas du sucre blanc raffiné. Mais la salade, les gens les plus riches mangeaient que les fleurs de salade, bien blanc, bien assaisonné, alors que c'est dans les feuilles vertes qu'il y a plus de vinaigre. Le pain noir, c'est aussi le pain brun. Vous êtes tous invités, pardon.